1. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Serikai. Salut, salut tout le monde. Bon bah pendant ce temps-là, je suis en train de voir pour monter notre épisode que nous avons fait. Épisode en deux parties. Moi je fais du clé, j'ai les troupes prêtes à taper sur les sauvages du Kamchatka là dès que j'aurai terminé. Atis machin est mort, moi aussi, putain... dépend. Je vais te faire un putain de découpage à l'arrache, moi. Shrek. Le truc, c'est je sais même pas si on est en train de parler. Mort au con, et Dieu crée à Google coupage d'image. On prend ça, on dégage ça, voilà, c'est 49 secondes. On te reprend ça, on te reploue la vidéo. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Gagne de la stab ou gagne des thunes? Des thunes, sans branle de la stab. Moins de corruption, miracle! Un event génial! Non, sérieux? Non, mais c'est quoi ce truc cheaté, quoi? Non, mais je proteste énergiquement! Bouche à 43. Bakar. Bakari. Abou Bakar! Donc. Al-Baghdadi! Ensuite, nous disons donc. Vidéo. Elle est où? C'est quoi cette embrouille? Ah ouais, c'est celle-là. Hop, on la move tout là-bas. Ctrl C, Ctrl V. Le mec multitâche quoi. YOLO, je fais plein de trucs en même temps. Voilà, sans privé. Europa, on renouvelle. Sans branle. Créer une armée, je crois que je peux pas créer... La mission de créer une armée, je peux pas la réaliser. Ouais, c'est ça. J'ai une armée de 116 en taille maximale. Comment dire? Je crois que ça va pas être possible, là. Ah non, en effet. Ah, et j'ai même pas les idées de quantité, quoi. Ok. Ah. Missionnariser, je suis en train de corer. C'est une bonne nouvelle. Country. Putain, quoi? C'était territory. Les Corins qui sabotent mon groupement militaire, mais quelle bande d'enculés! J'ai combien de. Allez, une reste moins, je sais pas combien on prend. Bakar sans envie de se rebeller et là-bas dans ce conclave. Ouais, bon, s'en branle. Là-bas, Bengal. Ah, faut 40. Bengal. Si je te traite noir. Est-ce que tu me donnes une dépense? Non. Oh, bien, il m'en donne une. Bagalpur ou Lakhnor? Ah, oh, c'est trop fort. Non. Bah, c'est trop fort. T'es trop fort, copain. Ouais, oui, ça doit voir. Donne-moi Bagalpur. Non, si, merci. Voilà, comme ça, ça fait qu'ils ont perdu 11... Dans mes ennemis, il y a 22 développements qui ont été perdus. Pas mal. Donc ça les fait des ennemis d'autant moins puissants, quoi. Merci le Brunei. Oh. Je vais te dire un truc, j'ai envie de faire des quêtes sur le Brunei. Faire des claims sur le Brunei. La trousse est arrivée dans 2 ans. Il est en guerre civile. Il va peut-être pouvoir s'affaiblir et moi je vais pouvoir le mettre sur la gueule et récupérer des trucs. Si ça va lui faire payer ce qu'il m'a fait. Un petit peu regretté, tu sais, l'envie d'être, je sais pas comment dire, venu au monde par exemple. Oh, et c'est trop fort le Triton Wars. Punjab, donne-moi cette province. Oui, d'accord, vas-y, merci.
Je raquette comme un porc. Je viens de gagner 28 de développement en disant « Donne-moi ta province. » Ouais, d'accord. Le Bhoutan, indépendance garantie par le Tibet. Ouais, mais est-ce que j'ai un quelconque intérêt? Tibet, paye ta province de merde. C'est l'intérêt du Tibet, c'est que c'est de la montagne. C'est limite comme intérêt, quand même. Ah, quoique. Quoique, il y a Lhasa. Lhasa, niveau développement 19, quoi. Oh. Et je suis à couvertir, en plus. Ah oui. Ouais, donc non. Dans le piquage, je mettrai sur la guerre au Bhoutan. De toute façon, est-ce que j'ai chopé à l'autre naze? Karakyonlu. Nagor est devenu vassal de Karakyonlu. Il a lâché ses corps, ouais, donc Nagor. Mais moi, je veux pas que ce soit le vassal de quelqu'un, Nagor. De toute façon, oh, il se rebelle. Nagor peu. Vassal de Karakyonlu. Ouais. Qu'est-ce qui est parti foutre là-bas? Bah, en fait, c'est, il a déclaré la guerre aux Timurides, Karakyonlu. Il a contrôlé Nagor, il a dit je le prends vassal. D'accord. Un Karakuno, honnêtement, je le... Nagor, je le soutiens. Je trouve très bien si on... Indépendance ? Porte indépendance. Pourquoi ? C'est important de liberté d'ailleurs. Et que nous sommes des révoltes. Je vais essayer de... Par contre, ce qui est bien aussi avec... Bengal, c'est comme j'ai fait un Triton War. Le mec, il me fallait 40 pour fabriquer une clem. Bah, vu qu'il a perdu... J'ai une clem de moins chez lui, il me faut plus que 35. Ah, il n'y a pas dit le traité noir, c'est une bonne idée, ça. Le salaud. Ouais, c'est toi qui m'as pris toutes ces techniques de pute. Ouais, en fait, Mong Yang, il a pas grand-chose que je veux. Il a... Ah si, il a quand même quelques trucs, Mong Yang. Mong Yang, est-ce que je pourrais le traiter noirisé? Non, je pense qu'il voudra pas, lui. Si je lui dis « Ah, donne-moi tes territoires !» Il va me dire « Va te faire enculer !» Je lui dis « Bon, d'accord, je vais me faire enculer. » Pour la vaseline ? Vas-y, vas-y, merci. Ah, quoique... Et je me pour. Lui, il veut rien donner, quoi. Il dit « Ah, va te faire enculer, je te défonce !» Bon, d'accord. Ah bah non, de toute façon, que je m'emmerde, j'ai plus de province. Ouais, on va ça, lui faire des claims sur, sur ça. Hop, la cavalerie. Faire un autre chez moi, mais qu'est-ce que t'as avec ça à foutre, la Castille? Ma trousse, je l'ai jusqu'à quand avec l'autre naze là? Brunei, j'ai... Ah oui, Brunei, oui. Là, ouais. Punjab qui veut traverser mon territoire, ben non. Toi t'es mon jouet. Bon, je vais quand même pas te laisser les provinces. Voyons. Ouais, j'aurais bien mettre sur la gueule de Jompour, quoi, mais il faudrait que je me fasse un des deux là. Ademgar avec. Ouais, est-ce que je demanderais. Je demande à Bengal. Mais si l'autre il est avec qui? Ouais, mais il protège Punjab. Donc je me retrouve en guerre avec Punjab et lui. Et si lui, Abnegar, si je lui dis. Casse ton alliance avec le. Avec Jompour, t'acceptes? Il accepterait. Comme ça, après, je lui déclare la guerre et je me retrouve en guerre avec le Bengal et le Timurid. Non.
Lui, Timuride, Mangal et Jompour. Lui, je lui dis casse ton alliance. Timuride, Abnegar et Jompour. Mais le Timuride, honnêtement, se trouve en guerre contre lui. Je pense que Khorasan y viendrait. Parce que la Perse, voilà. Il doit pas trop la tenir. Hein, surtout que Khorasan se coupe en deux. Ouais, exactement. Donc ce truc. J'ai gagné du corps, très bien. 10 entrées de power ou 1 d'inflation, je prends l'inflation. Hop. Le traitement Fürtenberg, ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai défoncé ces connards de là-bas parce qu'ils me faisaient chier. Ensuite, on a Bastard, ouais. Pour vassalisation. Il veut pas, il est encore trop gros. Hop, Mongyang. Mongyang, t'es allié avec qui, Mongyang? Allié avec Jompour et Swansea. Bon, Swansea, c'est de la merde, mais Mongyang, si je peux m'en débarrasser. Est-ce que Bengal. Et Timurid, t'es allié avec qui? Avec Éthiopie, Bengal, Abenlénar. Ah, ça peut être pas mal, ça. L'Éthiopie, avant qu'ils arrivent là-bas. J'ai le temps de voir venir. Je prendrai ces provinces à la con et je me retrouve à défoncer. Et quelle taille lui? Est-ce que je peux le gober d'un coup? 57, non. Et Bengal. 68, putain, fais chier. Oh, c'est calcul d'apothicaire. Va falloir que je pique, que je fasse un Traitor Wars à Adnegar, si je peux, et à Bengal. Que je déclare la guerre au Timurid pour annexer l'autre. Ou sinon, je le gobe en deux fois. Oh là là là, c'est compliqué. Hop. Je rembourse mes prêts, ça avance petit à petit. Hop. Les Ming, il faut que m'insulter, bon enculé d'Ignacoué. Oh là là, c'est des racismes. Ils ont pas explosé en vol encore, les Ming. Ouais, surprenant. Je les insulter aussi, tant qu'à faire. Oui, ça fait gagner en plus des points pour son puissance. Exactement. Donc Jompour et Timurid. Jompour, ouais, putain, Jompour, il a un rival, c'est moi, quoi. Un Timurid, je l'ai pas embargoté, bon, on va l'embargoter un petit coup. Hop. Construction d'Arjat.
Bon, annexe notre vassal. Ah, Abbey Nord, est-ce que je peux le retraiter noirisé? Le retraiter noirisé, je suis content. J'avais une trousse tellement longue, c'était plus rapide de le vassaliser et de l'intégrer plutôt que de lui déclarer la guerre pour le bouffer. Comment je gère ça? Ingal. Altimoïde viendrait pas. Et Jompour et le Bengal viendraient. Est-ce que je peux lui dire casse ton alliance avec. Jompour. Il accepterait de péter son alliance avec Jompour. Bien. La maintenance de l'armée. Ok. Mais fort. Cher. Hmm. J'ai proposé de faire un truc, mais c'est beaucoup trop cher. Pour ce que ça vaut. Et claquer plus de 300 balles pour un truc qui me donne du commerce pendant 5 ans. Ah ouais. Non, je confirme, ça fait un peu cher. On va essayer des paysans qui sont révoltés. Attends, deux petites secondes, je m'en pose pour ma déclaration de guerre. Déclare. Le Bengal. Ah, j'ai une trousse. Pourquoi j'ai une trousse? J'ai une trousse jusqu'à quand? En 1630. Putain, c'est nul ça. Le mec, si je lui pétais son alliance, ça fait une trousse. Avec ouais, mais ça fait pas. Je pense que c'est pas de trousse avec l'autre avec qui tu as cassé son alliance. Ah putain, fait chier, donc Jompour, est-ce que je peux lui dire de péter son alliance? Ah, fait chier, bon, bah, on va mettre l'effort à Chi. Bien sûr! Le mec, tu pétais la gueule des gens, mais bien sûr que je viens. Regarde qui? Bardel. Oh, bien. Bardel, c'est bien l'autre là. C'est bien l'espèce marine de l'espace à niveau 14, on est que niveau. Ah, moi, je suis niveau. Ah, je suis niveau 14, c'est. J'ai rattrapé mon retard en militaire. Mon focus est en diplomatique. Ah oui, mais maintenant, est-ce que... Ah, je peux pas le traiter noirisé. C'est sûr que le mieux que j'ai t'aidé. Je vais rester derrière à juste clémer les proies qui m'intéressent, et puis bah, je vais laisser taper le gros, d'accord? De l'armée, on remet, comme ça je suis à 24. Hop.
Et c'est le ding-ding de fin d'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là, les gens. Sur ce, avec mon camarade Serekai, on vous dit donc bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.